say Anin, bonjour, hello, and good evening, everyone. My name is Rosanna Deerchild. Bonsoir, Rosanna. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Il me fait grand plaisir et c'est un honneur d'être ici ce soir. Je m'appelle Roger Léveillé. Welcome to... Welcome. Thank you. Welcome, everyone, to the 2019 Poetry and Voice National Vinyls. Bienvenue à la grande finale des voix de la poésie. Yeah. I like this. I'm going to get you to follow me around all the time, just translating my words. It's very cool. Poetry and Voice is, of course, a bilingual organization, but there are many other older languages on our land. I would like to begin by acknowledging that we are in Treaty 1 territory and that the land that we gather on is the traditional territory of the Anishinaabe, Ininawak, Anishinaabeg, Dakota, and Dene peoples, and on the homeland of the Métis Nation. Les voix de la poésie sont un organisme bilingue, mais le territoire où nous sommes est aussi le lieu d'expression de nombreuses autres langues, certaines très anciennes. Je tiens donc à souligner que nous nous trouvons sur le territoire visé par le traité numéro 1 et que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Ininiwak, Anishininiwak, Dakota et Dene, et c'est la patrie de la nation métisse. Ce soir, nous allons écouter de la poésie classique et contemporaine en français et en anglais. Le concours va comporter trois sections de prix, une section française, une section anglaise et une section bilingue. Il y aura donc un lauréat ou une lauréate dans chacune des sections. Tonight we're going to hear contemporary and classic poetry in English and French. There are three competition streams, English, French, and bilingual, and we'll crown a champion in each stream. But before we begin the contest properly, I'd like to tell you what an exciting year it's been for the Poetry in Voice Les Voix de la Poésie, who are in their second year of a partnership with the Canada Council for the Arts. They are now working with a network of close to 300 poets. I didn't even know there were that many poets. Well, you're one of them. Yes, I am. As are you. Now, where was I? I got all thrown out of whack here. They're all here together. And they've been judging recitation contests, adding educational resources to their website, and visiting students in over 500 classrooms across the country. J'ajoute qu'en plus de 500 visites d'écoles rendues par les poètes grâce au financement du Conseil des arts du Canada, les Voix de la poésie ont aussi lancé un journal étudiant de poésie et un concours de récitation junior. Poetry and Voice alumni have also had the honor of reciting last fall at the Governor General's Literary Awards at Rideau Hall. Nous sommes ravis ce soir que Michael Trahan, gagnant du prix littéraire du gouverneur général en 2018 en poésie, soit ici avec nous ce soir. Michael, je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous applaudir. Mesdames et messieurs, Michael Trahan, nous souhaitons souligner votre présence ici ce soir, Michael, avec la lecture d'un extrait d'un de vos recueils, celui qui se nomme « La raison des fleurs ». Et puis, pour ce faire, accueillons sur scène un poète franco-manitobain d'origine haïtienne, Barthélémy Bolivar. Merci Roger, merci à tout le monde, merci aussi à Michael de me permettre d'ajouter ma voix à votre poésie. J'en suis très honoré. Je reprends du début, le cercle me rassure. Je fais la liste des choses qui brillent, chiens, diamants, miroirs. Je m'en remets aux certitudes qu'on m'a données. La nuit est blanche. Les fantômes sont noirs. La femme des vagues est une théorie à sens unique.
les lèvres cousues, décousues, la forêt tête tombée, tête cassée. Ici le cœur étroit, l'obstacle à déchiffrer. Ici la fleur double quitte sa forme. Ici, je suis une statue d'argile au milieu de la rivière. Le sang vicié de la langue malade, à force d'oublier le temps, ne vole pas le temps volé. J'ai honte de voir, j'ai honte de ne pas voir. J'ai peur de la lumière, mais pitié, n'éteignez pas. C'est le visage que j'abandonne en premier, la silhouette découpée dans la lumière, le dos tourné un siècle à la froid, la courbe du nez et des lèvres peut-être, mais c'est tout. L'écume des vagues, le sable, la robe bleue ou blanche. Je reconnais les mirages à l'odeur, le sel pour tout perdre, la suie pour durer, l'herbe fraîche, les cheveux humides, le drame parfait, c'est moi qui joue tous les rôles un à un. Fleur de soie et fleur de honte, fleur sans couleur, fleur de satin ou d'acier trempé, fleur de pierre ou de sang, fleur de papier, fleurs usées, fleurs vides, fleur de neige, fleur fondue. Pendant ce temps, le corps brûle et la voix seule, mène au pire. Merci. That was beautiful. Thank you so much. Oh my God, look at my head. It's huge. I mean, normally it is, but I know. Merci beaucoup. We are also fortunate to have Cicely Nicholson with us tonight. She is the winner of the 2018 Governor General's Literary Award for Poetry in English. Please stand up and take a giant bow. And now please join me in welcoming Winnipeg poet and spoken word, I'm a big fan of her, Chimwemwe Ndii, to read an excerpt from Cicely's winning book, Wayside Sang. Good evening, thank you so much for having me. This is from Daughter, Imagine Her. Drawing from content drives art making. Spirits stop and listen. Harried lines, the stress lines, sure lines. To a long white line, curved, expressive. These firm straight lines curve volumes of other spaces. Yours fly by, still new encounters, nuance and lilt, nod and gesture. At a glance, maybe this, sang sans relations as is. A turn of phrase kind of spice, literature of origin run through a culvert. Mine, not mine, is ruination. Once shade got so deep, the main tied itself round its curl. Lent's tropic damp and boreal, hell in the streets, sister. We want you, held against tourist, rose against consumer. Every morning starts awake, having moved often in sleep spanning ages, that nebula over your shoulder. Forces slip and language links us as we cluster on down. An elbow flex in curve, revolution stuck in traffic. Saturday, boulevard this, this too, my town, Queens, gals, Arcader. On the move past the horizon of teeth, height restrictions, rivers to some outpost skirts of North Surrey, welcoming a push through density, breathing out on Lacamo, Katsi, Kwantlen, Sol Tamuk, ways. Thank you.
Beautiful. Thank you so much for that. Now, as you may have gathered, Cicely and Michael are both on our judging panel tonight. JR will be back a little later to introduce our other French judges, and in a minute I'll introduce the English judges and our three English stream competitors. But I just want to take a moment to say thank you so much for having me a part of this amazing event. You've made this poet, this little nerd poet, happy. It's nice to be among my people. Now it's my great pleasure to introduce you to the poets who will be judging the English recitations tonight. You've already been introduced to Cicely Nicholson. Cicely is an award-winning author and organizer engaged in community art and projects. Jason Stefanik is a poet whose debut collection, Night Became Years, was shortlisted for the 2018 Governor General's Literary Award for Poetry. And Katharina Vermette is a Métis writer who has won multiple awards, including the 2013 Governor General's Literary Award for Poetry for her beautiful book about our Winnipeg North End. North End love songs. Now let's meet the stars of the show competing tonight in the English stream. Please welcome Catricia Hebert from St. Mary's Catholic School, Sexsmith, Alberta. Nina Thatch from Kildonan East Collegiate, Winnipeg, Manitoba. I see you got a really good cheering crowd out there. And Matthew Joe from London Central Secondary School, London, Ontario. Y'all look really good. I'm just gonna say that. What you're doing is really impressive. I have to say that I still read off the page when I do my poetry, and now I have to up my game. So I hate you all. We'll begin with two rounds of poems in English, then two rounds of poems in French, followed by a brief intermission. Good luck, everyone. English Prize Stream, round one. Matthew Joe, London Central Secondary School, London, Ontario. Poem for Duncan Campbell Scott by Armand Garnett Ruffo. Canadian poet who had a long and distinguished career in the Department of Indian Affairs, retiring in 1932. The Penguin Book of Canadian Verse. Who is this black coat and tie? Christian severity etched in the lines he draws from his mouth. Clearly a nobleman who believes in work and mission. See how he rises from the red velvet chair, rises out of the boat with the two Union Jacks fluttering like birds of prey, and makes his way towards our tents. This man looks as if he could walk on water, and for our benefits probably would, if he could. He says he comes from Ottawa way, Odawa country, comes to talk treaty and annuity and destiny, to make the inevitable less painful, bearing gifts that must be had. Notice how he speaks aloud and forthright. This or nothing. Beware,
Without title to the land under the crown, you have no legal right to be here. Speaks as though what has been long decided wasn't, as though he wasn't merely carrying out his duty to God and King, but sincerely felt. Some whisper this man lives in a house of many rooms, has a cook and a maid, and even a gardener, to cut his grass and water his flowers. Some don't care. They don't like the look of him. They say he asks many questions, but doesn't wait to listen. Asks much about yesterday, little about today, and acts as if he knows tomorrow. Others don't like the way he's always busy writing stuff in the notebook he carries. Him. He calls it poetry and says it will make us, who are doomed, live forever. Patricia Hebert, St. Mary's Catholic School, Sexsmith, Alberta. War, Lee Marical. In my body flows the blood of Gallic Bastille stormers and the soft, gentle ways of Salish Cree womanhood. Deep-throated bass tones dissipate, swallowed by the earth, uproarious laughter sears, mutilates my voice, child of the earth, tear of West Coast rain, dewdrop sparkling in the crisp, clear sun of my home. Warm woman of the Mediterranean sunscape, bleaching, rough cotton, sweatshop anniversary. Thunderous, rude earthquakes that split my spirit within, tiny grapes of wine console me. Can I deny a heritage blackened by the toil of billions conceived in rape, plunder, and butchery, in the veins that fight to root themselves in the wondrous breadth of my homeland, races the blood of base humanity. European thief, liar, bloodsucker, I deny you not, I fear you not. Your reality and mine no longer rankles me. I am moved by my love for human life, by the firm conviction that all the world must stop the butchery, stop the slaughter. I am moved by my scars, by my own filth, to rewrite history with my body, to shed the blood of those who betray themselves to life. World humanity I ascribe to my people, my history. I address my vision. Mm-hmm.
Nina Thatch, Kildonan East Collegiate, Winnipeg, Manitoba. Common Magic, Bronwyn Wallace. Your best friend falls in love, and her brain turns to water. You can watch her lips move, making the customary sounds, but you can see they're merely words, flimsy as bubbles arising from some golden sea where she swims sleek and exotic as a mermaid. It's always like that. You stop for lunch in a crowded restaurant and the waitress floats toward you. You can tell she doesn't care whether you have the baked or French fried, and you wonder if your voice comes in bubbles, too. It's not just women, either, or love, for that matter. The old man across from you on the bus holds a young child on his knee. He is singing to her, and his voice is a small boy turning somersaults in the green country of his blood. It's only when the driver calls his stop that he emerges into this puzzle of brick and tiny hedges. Only then you notice his shaking hands, his need of the child to guide him home. All over the city, you move in your own seasons through the seasons of others. Old women, faces clawed by whether you can't feel, clack dry tongues at passers-by, while adolescents seethe in their glassy atmospheres of anger. In parks, the children are alien life forms rooted in the galaxies they've grown through to get here. Their games weave the interface, and their laughter tickles that part of your brain where smells are hidden, and the nuzzling textures of things. It's a wonder that anything gets done at all. A mechanic flails at the muffler of your car through whatever storm he's trapped inside, and the mailman stares at numbers from the haze of a distant summer. Yet, somehow, letters arrive and buses remember their routes, banks balance, mangoes ripen on the supermarket shelves. Everyone manages. You gulp the thin air of this planet as if it were the only one you knew. Even the earth you're standing on seems solid enough. It's always the chance word, unthinking gesture that unlocks the face before you, reveals the intricate countries deep within the eyes. The hidden lives, like sudden miracles, that breathe there. English Prize Dream, Round 2. Catricia Hebert, St. Mary's Catholic School, Sexsmith, Alberta. Somewhere I've never traveled, E.E. Cummings. Somewhere I have never traveled gladly beyond any experience, your eyes have their silence. In your most frail gesture are things which enclose me, or which I cannot touch because they are too near. Your slightest look easily will unclose me.
though I have closed myself as fingers, you open, always, petal by petal, myself as spring opens, touching skillfully, mysteriously, her first rose. Or if your wish be to close me, I and my life will shut. Very beautifully, suddenly, as when the heart of this flower imagines the snow, carefully everywhere descending. Nothing which we are to perceive in this world equals the power of your intense fragility, whose texture compels me with the color of its countries, rendering death and forever with each breathing. I do not know what it is about you that closes and opens. Only something in me understands. The voice of your eyes is deeper than all roses. Nobody, not even the rain, has such small hands. Nina Thatch, Kildonan East Collegiate, Winnipeg, Manitoba. What horror to awake at night, Lorene Nydecker. What horror to awake at night and in the dimness see the light. Time is white, mosquitoes bite. I've spent my life on nothing. The thought that stings, how are you? Nothing, sitting around with something's wife. Buzz and burn is all I learn. I've spent my life on nothing. I'm pillowed and padded, pale and puffing, lifting household stuffing. Carpets, dishes, benches, fishes. I've spent my life in nothing. Matthew Cho, London Central Secondary School, London, Ontario. But I'm no one, by Weimin Chen. For M. Miller, dear N. Carson. My friend read me the poem where your mom said that the dead walk backwards. You thought this myth arose from poor translation.
I can attest to your misapprehension. My social studies teacher in grade 8, Ms. Rogers, believed it was customary for the Chinese to walk backwards when entering a washroom. So when our class went to Silver Dragon for lunch, that's what we did, giggling, even if we didn't have to go. But in my family, we never believed this. Where do ideas like that come from? It's true that regret looks back, that death's shadow follows us, and your only true companion is solitude, whose clarity will fade to black. It makes sense that the face of death must be turned our way. We're still here. I have to read lots in order to find what's useful, Ms. Carson. To walk backwards is to safeguard not knowing. In the end, my striving can't reach more than this. Than this. End of the first two rounds of the English prize stream. Wasn't that amazing? Not only the variety and the tonality of the voices, but at such a young age, the incisive understanding of the meaning of the poems. I just thought that was spectacular. Vraiment incroyable. Je pense surtout en entendant ces jeunes dire des poèmes à ma jeunesse, parce que sans doute comme vous tous, à un moment donné à l'école, moi c'est à l'école primaire, probablement en quatrième année, je ne sais pas quel âge on peut avoir, 8 ou 9 ans, j'ai eu à réciter des poèmes aussi. Vous savez, ces récitals d'école où on entend des violons, des accordés, des compositions au piano où on saute une note, et puis évidemment des récitations un peu tremblotantes. Je pense me souvenir de quelques vers d'un vieux poème que j'avais appris à l'époque, et sans porter déshonneur, j'espère, à ces jeunes qui disent la poésie pour vous ce soir, je pense me souvenir de quelques-uns de ces vers. Et puis, on sait que c'est un vieux poème parce que ça commence avec le mot « autrefois ». Tous les vieux poèmes commencent avec le mot « autrefois ». Je pense que vous le connaissez. « Autrefois, le rat de ville, c'est moi, invita le rat des champs, c'est vous, de façon fort civile à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête. » Ça, c'était hier soir chez Old Bailey's. « Rien ne manquait au festin, mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, on entendit du bruit. Le rat de ville détale, ses camarades le suit. Le bruit cesse, on se retire. Rat aussitôt est le citadin de dire « Achevons tout notre rôt ». Là, on ne sait pas si La Fontaine parlait du rôti ou des borborygmes qui ont suivi le festin, mais quoi qu'il en soit, vous répondez « Non, c'est assez, dit le rustique, demain vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais chez moi, je mange à loisir. Rien ne vient m'interrompre, fille du plaisir que la crainte peut corrompre. » Voilà. C'était l'interlude. Maintenant, passons aux choses sérieuses.
On va commencer avec la section française. J'aimerais vous présenter les trois poètes qui nous feront l'honneur de noter les récitations de la section française. D'abord, Pierre Neveu, poète, romancier et essayiste. Il soutient le concours depuis ses tout débuts. Il est un peu le contrefort de ce concours, et contrairement à ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris, on est certain que l'édifice va tenir. Il est récipiendaire du prix, de nombreux prix, dont trois distinctions comme lauréat du prix du gouverneur général en poésie. Lise Gaboury-Diallo est professeure à l'Université de Saint-Boniface et l'une des plus importantes figures de la littérature. Elle est l'une des plus importantes figures de la littérature franco-canadienne de l'Ouest, tant par ses œuvres, ses propres œuvres de création, que par les critiques qu'elle voue à la poésie et à la littérature de l'Ouest. Vous avez déjà rencontré Michael Trahan. Tout de même, Michael, si tu veux te lever. Michael enseigne la littérature à l'Université du Québec. À l'Université du Québec à Montréal, il est l'auteur de deux recueils de poésie et d'un essai. Son dernier recueil, comme on l'a déjà dit, a remporté le prix du gouverneur général en 2018. J'invite maintenant les trois concurrentes qui s'affronteront pour obtenir le titre de championne de la section française du concours Les Voix de la poésie 2019. Accueillez chaleureusement Larissa Duchimé de St. Joseph Catholic High School, Windsor, Ontario. Naïda Mohamadou du lycée Louis Pasteur, Calgary, Alberta. Laure Poitras du cégep du Vieux-Montréal, Montréal, Québec. Bonne chance à toutes. J'ai bien hâte d'entendre vos récitations. Vous pouvez pour l'instant retourner en arrière-scène. Alors, nous assisterons à deux tours de récitation et nous passerons ensuite à l'entracte. Après l'entracte, Rosanna et moi présenterons les concurrentes de la section bilingue, puis nous assisterons à un dernier tour de la section française et de la section anglaise. Tout le monde est prêt? C'est pas eux autres, là, c'est vous autres. Tout le monde est prêt? Bon, allons-y. Premier tour de la section française. Larissa Duchimé, St. Joseph's Catholic High School, Windsor, Ontario. Tenez la bonnie. Ici vit le noir, la peur au ventre, cette peur sans cesse refoulée, sans cesse remise en lumière. L'Amérique en moi, c'est une partie de ma peau. La rumeur la plus sourde me parvient ce soir-là. À deux pas. La rumeur la plus sourde qui me hante parfois. Personne ne veut l'entendre. Impossible de fuir une rumeur si parlante. Invisible sont-ils? Sommes-nous? Nous, meute de transparence sur lequel fusent les balles à boulets rouges. Ce n'est pas une rumeur, j'étais là, me voici. À deux encablures de l'endroit des balles, pas besoin d'être si près du lieu de la vérité pour voir l'empreinte de son éclat sur ma peau.
Naïda Mohamadou, lycée Louis Pasteur, Calgary, Alberta. Aujourd'hui, j'ai vu de Nadine El Taïf. Aujourd'hui, j'ai vu comment meurt une ville. Et j'ai été abandonnée. Et je suis partie et de rien. Et je reviens d'un long voyage. Mais par où commencer? Par où? Je commence par la mort, car on ne peut commencer que par la mort de ce récit qui prend la forme de la misère. Je vous conte une histoire concernant des oiseaux. Une histoire, un conte, une odyssée. L'odyssée du phénix, madame, ou comment aime le phénix, avec ses flammes, avec ses feux, lorsqu'il n'y a plus de dialogue possible et que plus rien n'exprime l'amour que le désir lorsqu'il se jette et lorsqu'il flambe. Je vous conte ce qu'ont vu mes yeux. Des murets et de la pourpre et une terre libanaise qui aime, brûle, aime et embrase la mer. À peine suis-je née que je n'existe déjà plus. Car la guerre empêche la vie de naître, empêche les fleurs de mûrir, empêche le soleil et rompt le rythme des choses. Comment trouver un rythme autre que celui des lamentations? Qu'Allah vous éloigne du fils d'Adam, s'écrit ma nourrice. De cet homme de la guerre, que Dieu vous épargne ce qu'ont vu mes yeux. Ces yeux-là qui ne se referment plus depuis 1975. Année de mon premier exil. Laure Poitras, Cégep du Vieux-Montréal, Montréal-Québec. Nous, Geneviève des Rosiers, nous aurons des douches neuves remplies d'alluvions et d'odeurs atroces. Nos corps pleureront des gouttelettes de suie brune. Tu verras comme nous serons heureux. Tous les jours, nous encenserons nos 15 ans. Nos fauteuils de velours râpés atteindront la cime des cieux. Nous aurons même la foi. Les devins s'arrêteront à notre porte fermée pour quérir un verre de lait. Nos enfants ne diront jamais rien. Les matins seront chauds, les soirs froids. Nos yeux ne se quitteront que pour aller cueillir des pommes vertes que nous laisserons paresseusement choir dans un grand panier d'osier aux éclats ternes. Tu verras comme nous serons heureux. Nous donnerons des perles aux cochons, des sous aux pauvres, de l'alcool aux alcooliques, des baisers aux amoureux, de la viande aux chiens, des poissons aux oiseaux et du blé aux assassins. Nos amis ne nous quitteront plus.
Nous mettrons nos mères et nos pères au champ d'honneur. Les alchimistes gérontologues feront le pied de grue devant des fenêtres que nous aurons, nombreuses et propres. La musique adoucira nos mœurs terribles et dégradantes. Nous parlerons français avec un accent salvadorien afin de se rappeler notre défunt Chico, mort à la guerre comme une carpe. Nous aurons des oiseaux de proie blottis au creux des armoires, des coqs en pâte et des poules au pot. Nombreux seront nos ennemis. Tu verras comme nous serons heureux. Deuxième tour de la section française. Naïda Mohamadou, lycée Louis Pasteur, Calgary, Alberta. Avant que tout éclate en morceaux, de Diane Légy. Avant que tout éclate en morceaux, j'aimerais écrire dans ta main un tout petit poème du bout du doigt. Un tout petit poème plein de chaleur, de lait, de miel et de lumière. Un poème où tu voudras passer l'hiver avant que tout éclate en morceaux. Vivre, écrire. Regarder la rhubarbe monter en graines, la poussière recouvrir les meubles, faire le point, poursuivre. Tout détruire pour tout recommencer. Parce que rendu là où j'en suis, je n'aime plus tellement l'histoire anyway. Revenir échouer sur une plage loin de tout, se demander pour la millième fois. Jusqu'où peut-on aller trop loin ? Laure Poitras, Cégep du Vieux-Montréal, Montréal, Québec. J'ai passé bien du temps, Sean Cotton. J'ai passé bien du temps au téléphone pour faire taire mes rêves. La planète était toute tendue dans les couloirs des buildings pleins d'ascenseurs qui crachaient leur directeur de compagnie dans les deuxièmes sous-sols de junk. J'avais la frayeur du sang
et de la barrière du sang. Une étoile électrocutait mon doigt, fêlé par un slap shot hier. Le diable était dans le ruisseau et je ne m'y baignais plus. Je rêvais de Californie, de gens sur qui je me trompais pas, de beaux chemins de fer et de voir double. J'ai dit, un vieux monde ou un nouveau monde, c'est juste la même merde, le même hachoir à viande. Après, avec mon amplificateur sous le bras dans les dunes de sable infectées, j'ai prié les morts qui furent rien de plus qu'un râle. Les garçons de la classe qui n'avaient jamais brisé le cœur de personne. Les cœurs sucrés qui s'étaient échafaudés dans le vide de l'agitation. Je t'ai appelé. Pourquoi tu viens pas mourir comme un train à mes côtés? Il me semble que tout coûtait comme la glace sur les voûtes du monde. Il reste rien, même que les cassettes porno touchent pas encore à l'absolu, même que le monde est petit, vagabore tes portes en partant, même que l'étincelle du bic est cachée dans ton gâteau surprise, même que l'étincelle égorgeuse se tapit dans les yeux des enfants. Ma pièce de lune est en amour. Larissa Duchimé, St. Joseph's Catholic High School, Windsor, Ontario. Accompagnement, Hector de Saint-Denis Garnot. Je marche à côté d'une joie qui n'est pas à moi, d'une joie à moi que je ne puis pas prendre. Je marche à côté de moi en joie. J'entends mon pas en joie qui marche à côté de moi, mais je ne puis changer de place sur le trottoir. Je ne puis pas mettre mes pieds dans ces pas-là et dire « Voilà, c'est moi !» Je me contente pour le moment de cette compagnie, mais je machine en secret des échanges par toutes sortes d'opérations, des alchimies, par des transfusions de sang, des déménagements d'atomes, par des jeux d'équilibre, afin qu'un jour transposé, je sois porté par la danse de ces pas de joie. Avec le bruit décroissant de mon pas à côté de moi, avec la perte de mon pas perdu, situé à ma gauche, sous les pieds d'un étranger qui prend une rue transversale. Fin des deux premiers tours de la section française. C'était magnifique, non, Rosanna? Oh, that was beautiful. That was fierce.
Marie. Écoutez, nous allons passer à l'entracte, mais je vous encourage d'aller voir sur la table, dans le hall d'entrée, il y a le livre, les livres des poètes ici présents qui sont membres de notre jury que vous avez rencontrés. Je suis certain qu'à la fin de la soirée, ils se feront un plaisir de vous dédicacer les volumes que vous achèterez. You'll find books by all of our judges and a few other special selections. You'll also find complimentary copies of the 2019 edition of National Poetry Month in the Winnipeg Free Press. And when we return in 15 minutes, not 16 people, 15. Keep it short. Our bilingual competitors will take to the stage. Merci à tous. On se retrouve dans 15 minutes. Stop! C'est le retour. I'm supposed to say bonjour there, not what's up. Sorry. Ouais, bonjour, hello, that's good. My bad. Yeah. Welcome back. Can we get a round of applause for our wonderful house band? And thanks for the tip in the wine line there. I saw you were cutting, so I was like, I'm going to do that too. Just saying. Good tip. Yeah. This is the Jared Beckstead Cran Trio. Now, now we're going to hear from our three competitors in the bilingual stream. Please welcome. First, Avril Brigden, the Alpha Secondary School, Burnaby, British Columbia. Gada Sharkey from Champlain Regional College, St. Lambert, Quebec. Et Jenny Wang du Collège Jean de Brébeuf, Montréal, Québec. Good luck to all of you. You can proceed backstage and prepare. And... Chaque concurrente va maintenant nous lire deux poèmes, un poème en français, un poème en anglais. Vous allez voir, c'est un tour de force assez extraordinaire. Soyez à l'écoute. Mm. Here we go! Premier tour de la section bilingue. Bilingual prize stream, round one. Avril Brigden, Alpha Secondary School, Burnaby, British Columbia. These poems, she said, Robert Bringhurst. These poems. She said, are poems with no love in them. These are the poems of a man who would leave his wife and child because they made noise in his study. These are the poems of a man who would murder his mother to claim the inheritance. These are the poems of a man like Plato, she said, meaning something I did not comprehend, but which nevertheless offended me. These are the poems of a man who would rather sleep with himself than with women, she said. These are the poems of a man with eyes like a draw knife, with hands like a pickpocket's hands, woven of water and logic and hunger with no strand of love in them. These poems are as heartless as birdsong, as unmeant as elm leaves, which if they love, love only the wide blue sky. And the air, and the idea of elm leaves. Self-love is an ending, she said, and not a beginning. Love means love of the thing sung, not of the song or of the singing. These poems,
She said, "You are," he said, "beautiful." "That is not love," she said, rightly. Gada Sharkey, Champlain Regional College, Saint-Lambert, Québec. Les poètes boivent des martinis, Carole David, pour saluer Sylvia Plath et Anne Sexton. Sylvia et Anne boivent des martinis dans le bar d'un hôtel à Boston. Leurs robes, au motif soyeux, s'enroulent autour de leurs doigts. Elles se demandent s'il faut être hanté par la vaisselle et les draps pour écrire des poèmes dans lesquels les objets volent entre vers et prose, atterrissent sur les murs de la cuisine et se fracassent au cœur des images ou des phrases déclinées durant leurs années d'apprentissage. Les deux femmes, ménagères averties, écrivent sur les boîtes de macaroni les préparations pour gâteaux. Betty Crocker est une muse. Spatule à la main, elle scande la mesure de leur crise étouffée dans le garde-manger. Les portes d'armoire claquent, le lavabo hurle ses déchets accumulés par la famille. Sylvia et Anne boivent des martinis. Leur tête est lourde. Le travail s'accumule depuis leur départ. J'écoute leur conversation féroce. Je suis derrière, subjuguée par leur maîtrise des mots et de l'art ménager. Émue, je m'incline devant leur voix. Je n'ouvrirai pas le gaz de la cuisinière. Jenny Wang, Collège Jean de Brébeuf, Montréal, Québec. Beauté formelle, Chloé Savoie-Bernard. Une réceptionniste. Deux fois. Une infirmière, un membre du personnel soignant et même la médecin. Alors qu'elle avait les mains dans mon sexe, me défaisant de ma grossesse. Chaque fois, elles m'ont dit, « Tu es belle, la jolie mademoiselle. » Ritourne. Ma beauté. Cœur grec, annoncez-vous. Ma beauté.
Gun qui chaîne retournée contre ma tempe. Alors vraiment, je suis belle. Grand bien m'en fasse. Ça me fait une belle jambe. Les cheveux coincés dans les étriers. Un bébé mort en petits morceaux. Entre les gens. Tombe-t-il? Qui le rattrape? Je suis belle. Le nez qui coule, les yeux qui broient. Il meurt. Il meurt. Je suis belle. Est-ce que cela m'absout? Est-ce que cela me sauve? Cette beauté. Deuxième tour de la section bilingue. Bilingual Prize Stream, Round 2. Gada Sharkey, Champlain Regional College, Saint-Lambert, Québec. The River Merchant's Wife, A Letter. Ezra Pound, After a Leap Hope. While my hair was still cut straight across my forehead, I played about the front gate pulling flowers. You came by on bamboo stilts playing horse. You walked about my seat playing with blue plums, and we went on living in the village of Chokan. Two small people, without dislike or suspicion. At 14, I married my Lord you. I never laughed being bashful. Lowering my head, I looked at the wall. Called to 1,000 times, I never looked back. At 15, I stopped scowling. I desired my dust to be mingled with yours forever and forever and forever. Why should I climb the lookout? At 16, you departed. You went into far Kudawang by the river of swirling eddies, and you have been gone 5 months. The monkeys make a rueful noise overhead. You dragged your feet when you went out. By the gate now, the moss is grown. The different mosses, too deep to clear them away. The leaves fall early this autumn in wind. The paired butterflies are already yellow with August. Over the grass in the west garden, they hurt me. I grow older.
If you are coming down through the narrows of the river Kiang, please let me know beforehand and I will come out to meet you as far as Zhefusa. Jenny Wang, Collège Jean de Brébeuf, Montréal, Québec. Poor speaker, Sonette Labbé. I understand you. I get what you're trying to say. What you're trying to say is, you want me to get it. I get it. You want me to understand. You want me to know not the words, but what's behind them. Got it. You're trying to tell me what you want me to hear. What I hear is all words, but that's not all there is. I totally comprehend. There's a comprehensive totality beyond, or above, or within, or outside, whatever you just said. Yes. Yes. You're vocabulary can put the nuance on the fine feeling you wish to express. Not that you're feeling fine, I know. Rather, the feeling is fine, like a fine point. Right? That's the point. I get it. If you could say so, you would. You still want me to understand. I told you from the beginning, I'm with you. I got it. Why keep going on? It's gotten. It's all good. Avril Brigden, Alpha Secondary School, Burnaby, British Columbia. Ce ne sont pas mains de géants, Paul Éluard. Ce ne sont pas mains de géants. Ce ne sont pas mains de génies qui ont forgé nos chaînes. Ni le crime. Ce sont des mains habituées à elles-mêmes. Vie d'amour, vie du monde. Le commun des mortels ne les a pas serrées.
Elles sont devenues aveugles, étrangères à tout ce qui n'est pas bêtement une proie. Leur plaisir s'assimile aux venues du désert. Leurs dix doigts multiplient des zéros dans les crantes qui ne mènent à rien qu'au fin fond des faillites. Et leur habileté les comble de néant. Ses mains sont à la poupe au lieu d'être à la proue, au crépuscule au lieu d'être à l'aube éclatante et divisant l'élan, annule tout espoir. Ce ne sont que des mains condamnées de tout temps par la foule joyeuse qui descend de jour, où chacun pourrait être juste à tout jamais et rire de savoir qu'il n'est pas seul sur terre à vouloir se conduire en vertu de ses frères pour un bonheur unique où rire est une loi. Il faut, entre nos mains qui sont les plus nombreuses, broyer la mordiote, abolir les mystères, construire la raison de naître et vivre heureux. Fin des deux tours de la section bilingue. End of the two rounds of the bilingual prize stream. Je vous avais promis que ça allait être sensationnel, splendide et stupéfiant, tous les synonymes avec la lettre S que vous voulez. Alors applaudissons-les une autre fois. Et petit message politique, c'est écrit ici, message politique. Il est merveilleux, n'est-ce pas, d'entendre des jeunes de partout au Canada dire la poésie en français et en anglais. We're going to head back to the French and English streams. Six more recitations, and then we will announce the names of the 2019 champions. Troisième tour de la section française. Laure Poitras, Cégep du Vieux-Montréal, Montréal-Québec. L'Union libre, André Breton. Ma femme a la chevelure de feu de bois, aux pensées d'éclairs de chaleur, à la taille de sablier. Ma femme a la taille de loutre entre les dents du tigre. Ma femme a la bouche de cocarde et de bouquets d'étoiles de dernière grandeur, aux dents d'empreintes de souris blanches sur la terre blanche. À la langue d'ambre et de verre frotté, ma femme a la langue d'hostie poignardée, à la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux, à la langue de pierre incroyable. Ma femme, aux cils de bâton d'écriture d'enfant, aux sourcils de bord de nid d'hirondelle, ma femme aux tempes d'ardoise, de toit de serre et de buée aux vitres, ma femme aux épaules de champagne et de fontaine à tête de dauphin sous la glace, ma femme aux poignets d'allumettes, ma femme aux doigts de hasard et d'as de cœur, aux doigts de foin coupé, ma femme aux aisselles de martre et de faine, de nuit de la Saint-Jean, de troène et de nid de scalar, aux bras d'écume de mer et d'écluse et de mélange du blé et du moulin, ma femme aux jambes de fusée, aux mouvements d'horlogerie et de désespoir, ma femme aux mollets de moelle de sureau, ma femme aux pieds d'initiales, aux pieds de trousseaux de clés, aux pieds de calfas qui boivent, ma femme aux coups d'orge imperlés, ma femme à la gorge de Val d'Or, de rendez-vous dans le lit même du torrent, au sein de nuit, ma femme au sein de topinières marines, ma femme au sein de creusets du rubis, ma femme au sein de spectres de la rose sous la rosée, ma femme
au ventre de dépliement d'éventail des jours, au ventre de griffes géantes, ma femme au dos d'oiseau qui fuit vertical, au dos de vif argent, au dos de lumière, à la nuque de pierre roulée et de craie mouillée et de chute d'un verre dans lequel on vient de boire. Ma femme aux hanches de nacelle, aux hanches de lustre et de peine de flèche et de tiges de plumes de pan blanc, de balance insensible. Ma femme aux fesses de grès et d'amiante, ma femme aux fesses de dos de cygne, ma femme aux fesses de printemps, au sexe de glaïeul, ma femme au sexe de placère et d'ornithorynque, ma femme au sexe d'algues et de bonbons anciens, ma femme au sexe de miroir, ma femme aux yeux pleins de larmes, aux yeux de panoplie violette et d'aiguilles aimantées, ma femme aux yeux de savane, ma femme aux yeux d'eau pour boire en prison, ma femme aux yeux de bois toujours sous la hache, aux yeux de niveau d'eau, de niveau d'air, de terre et de feu. Larissa Duchimé, St. Joseph's Catholic High School, Windsor, Ontario. C'est la guerre. Louis-Philippe Hébert. C'est la guerre. C'est très excitant. La terre s'ouvre, on peut voir dedans. On peut voir ce qui se passe derrière les portes closes. L'âme qui se loge dans le ventre, la cuisine dans les logements, les latrines qui explosent derrière les baraquements. On aperçoit des choses dans le ciel, des choses rondes et lumineuses qu'on n'avait jamais vues auparavant. Ça laisse des traces longtemps, ça éclate. On dirait des applaudissements qui jaillissent autour de nous, derrière nous, ça surprend. On comprend que tout n'est que mouvement, on le sent sur la peau, sur tout le corps, sur les tympans, dans les narines. Aussi une odeur de sang qui nous fait penser à ce qui se passe à l'intérieur de nous, à cette espèce d'entortillement, de tripes, de foie, d'estomac, de cœur avec ses veines et ses artères, même de pancréas. C'est la guerre dehors comme en dedans, c'est la guerre maintenant. Les prières ne sont plus exaucées dorénavant. Attachez-moi les mains, videz-moi le cœur, coupez-moi la tête si vous voulez. Qu'on le réveille, celui-là, que celui qui a le plus long sabre, lui, tranche la gorge. Coupe le cou, coupe, maintenant. Thank you.
Naïda Mohamadou, lycée Louis Pasteur, Calgary, Alberta. Je ne sais pourquoi, de Paul Verlaine. Je ne sais pourquoi. Mon esprit amer, d'une aile inquiète et folle, vole sur la mer. Tout ce qui m'est cher, d'une aile d'effroi. Mon amour le couvrira des flots. Pourquoi ? Pourquoi ? Mouette à l'essor mélancolique, elle suit la vague, ma pensée, à tous les vents du ciel balancé, et biaisant quand la marée oblique, mouette à l'essor mélancolique. Ivre de soleil et de liberté, un instinct la guide à travers cette immensité. La brise d'été sur le flot vermeil doucement la porte en un tiède demi-sommeil. Parfois, si tristement elle crie, qu'à l'alarme lointain le pilote, puis au gré du vent se livre et flotte et plonge, et l'aile toute meurtrie revole. Et puis, si tristement, crie, je ne sais pourquoi. Mon esprit amer, d'une aile inquiète et folle, vole sur la mer. Tout ce qui m'est cher, d'une aile d'effroi. Mon amour le couvrira des flots. Pourquoi ? Pourquoi ? Fin du dernier tour de la section française. English Prize Stream, round 3. Nina Thatch, Kildonan East Collegiate, Winnipeg, Manitoba. My brother at 3 a.m., Natalie Diaz. He sat cross-legged, weeping on the steps, when Mom unlocked and opened the front door. Oh God, he said. Oh God, he wants to kill me, Mom. When Mom unlocked and opened the front door at 3 a.m., she was in her nightgown, Dad was asleep. He wants to kill me, he told her, looking over his shoulder. 3 a.m. and in her nightgown, Dad asleep. What's going on? She asked. Who wants to kill you? He looked over his shoulder. The devil does. Look at him over there. She asked. What are you on? Who wants to kill you? The sky wasn't black or blue, but the green of a dying night. The devil. Look at him. Over there. He pointed to the corner house. The sky wasn't black or blue, but the dying green of night. Stars had closed their eyes or sheathed their knives. My brother pointed to the corner house. His lips flickered with sores. Stars had closed their eyes or sheathed their knives. Oh God, I can see the tail, he said. Oh God, look! Mom winced at the sores on his lips. It's sticking out from behind the house. Oh God, see the tail, he said. Look at the goddamn tail. He sat cross-legged, weeping on the front steps. Mom finally saw it, a hellish vision. My brother. Oh God. Oh God. She said. Thank you.
Matthew Cho, London Central Secondary School, London, Ontario. Plenty by Kevin Connolly. The sky lit up like a question or an applause meter is beautiful, like everything else today. The leaves in the gutters, salt stains on shoes. The girl at the IGA who looks just like Julie Delpy. But you don't tell her. She's too young to get the reference, and coming from you, it'll just seem creepy. So much beauty today, you can't find room for it. Closets already filled with beautiful trees and smells and glances and clever turns of phrase. Behind the sky, there's a storm on the way, which, with your luck, will be a beautiful storm. Dark clouds, beautiful as they arguably are. The rain, beautiful, as it always is. Even lightning can be beautiful in a scary kind of way. There's a word for that, but let's forget it for the moment. And maybe the sun will hang in long enough to light up a few raindrops, like jewels or glass. Or those bright beads girls put between the letters on the bracelets that spell out their beautiful names. Sky, or Miranda, or Veranda, which isn't even a name, although it is a word we use to call things what they are, and would be a pleasant place to sit and watch the beautiful sky, beautiful storm, the people with their beautiful names walking toward the lake in lovely clothing, saying unpleasant things over the phone about the people they work with. All of it? Just adding to the mother load. The surface of beauty, which on this day is just a fancy way of saying lots, too much, skid loads, plenty. Patricia Hebert, St. Mary's Catholic School, Sexsmith, Alberta. A history of houses built out of spite. Chemwemwe Undi. None of us know Amy personally. But she's here, and she's singing, rising above our sodden heads, bowed in something like prayer, maybe. Most of us are trying to move enough to pretend she doesn't remind us of our mothers, and Sunday morning spring cleans the sharp, bleached smell of it, the shrill peak of their voices demanding something far less beautiful. We're trying not to think of mothers who mostly whisper now, or girls who looked away and uninvited us from sleepovers, even though they were smiling the whole time, or the last time that we were here. How it felt the same when we got home after it, as in everything the same, as in worse, you gotta move sometime. When you're stuck in the middle of it. That's the philosophy we're buying into here.
using drink tickets we bought at the dollar store and tucked into bras and ace bandages and sagging back pockets. You gotta move your body, a last resort occupying unceded space, the only thing that's ever belonged to you, and half the girls here have called that into question. Girls only because that's how you get in here. In here just because of the girls, because here is nowhere and here lives the only God that thinks our wetness akin to holy water, that answers to the tense-bodied hallelujahs escaping mouths we thought had forgotten how to form them. Us broken daughter. And all our pieces jangling, all strobe light, sweat, and saxophone. When Amy died, we danced off the sorrow we knew our mothers would shed. Split their self-satisfied smugness between us like a quarter. We tucked a backbeat under a promise of an always love. Used those tickets to bind to that sacred oath in mezzo-soprano. And we moved to it, right into it. Cause that's what the fuck you do, our love. Been a losing game, Amy. We know the power of no. No. No, even when it was the wrong thing. And we know we belong here. Maybe not everywhere, but that's what nowhere is for. And here we are, in the middle of it. Besides, it's different for us, as in everyone, different as in the same. End of the three rounds of the English prize stream.
Alors voilà, c'est terminé pour les récitations. Je n'envie pas le travail des juges. J'espère que leurs crayons sont bien affûtés. C'était fantastique d'entendre la poésie contemporaine canadienne côtoyer la poésie classique. Et c'était fantastique to see the young ones back there, yes, giving each other high fives. The support has just been wonderful to see. It's been really wonderful. It's so much nervous energy back there, and that's just me. And they've been... Stress sweat. I'm so sorry about that. And it's been really wonderful to hear such powerful words by so many contemporary poets tonight, and these kids are just fantastic work, fantastic. Écoutez, c'était pour eux un véritable marathon, et puis pour comprendre l'exploit de ces 9 finalistes, on doit se rappeler les étapes qu'ils ont eu à parcourir pour se rendre jusqu'ici. Ils ont d'abord eu à remporter le concours dans leur propre école. And then they made it through 2 rounds of judging in the online qualifiers. Et les 24, ensuite, les 24 demi-finalistes ont eu à faire leur récitation ici hier à Winnipeg. In fact, these 24 students are the best reciters from over 10,000 students who participated this year. Alors, pour souligner ce succès, je vous prie maintenant d'accueillir Madame la ministre Rochelle Squire sur scène pour présenter les prix des 24 demi-finalistes. Madame Squire est ministre du Développement durable et ministre responsable des affaires francophones et de la condition féminine. I'd also like to invite Di Brant to join us on the stage to celebrate these students. Di Brant is the inaugural poet laureate of Winnipeg and teaches at the University of Winnipeg, and she has an amazing beret on. I just need to point that out. Avril Brigden, Alpha Secondary School, Burnaby, British Columbia. Gada Sharkey, Champlain Regional College, Saint-Lambert, Quebec. Troy Chia, Dr. Charles Best Secondary School, Coquitlam, British Columbia. Alexander Morin, Cardinal Carter Secondary School, Leamington, Ontario. Jenny Wang, Collège Jean de Brébeuf, Montréal, Québec. Keegan Yap, St. Joseph's Catholic High School, Windsor, Ontario. Dans la section française, Axa Caleb, Philemon Wright High School, Gatineau, Québec. Larissa Duchimé, St. Joseph's Catholic High School, Windsor, Ontario. Mathilde Stache, Cégep de Saint-Laurent, Montréal, Québec. Naïda Mohamadou, Lycée Louis Pasteur, Calgary, Alberta. Laure Poitras, Cégep du Vieux-Montréal, Montréal, Québec. Perlina Rossi-Brown, Collège Jean-Eudes, Montréal, Québec. In the English stream, Serena Fiel, Etobicoke School of the Arts, Etobicoke, Ontario. Barry Genge, Montague Regional High School, Montague, Prince Edward Island. Patricia Hebert, St. Mary's Catholic School, Sexsmith, Alberta. Mackenzie Hutchinson, Prince of Wales Secondary School, Vancouver, British Columbia.
Chandra Miller, Dr. Charles Best Secondary School, Coquitlam, British Columbia. Nawal Samir, Glen Lawn Collegiate, Winnipeg, Manitoba. Clara Sismondo, Kingston Collegiate and Vocational Institute, Kingston, Ontario. Nina Thatch, Kildonan East Collegiate, Winnipeg, Manitoba. Sophia Wilcott, Harborview High School, St. John, New Brunswick. Irene Zhang, Fraser Heights Secondary School, Surrey, British Columbia. William Zhang, University of Toronto Schools, Toronto, Ontario. You're next. Matthew Joe, London Central Secondary School, London, Ontario. All right, everybody, let's give them some Winnipeg love. That's what I'm talking about. Yeah. Now, tabulators, do we have the results? Are we getting them? So excited right now. It's like the Oscars for nerds. On demande à nos trois concurrentes de la section bilingue de faire un pas vers l'avant-scène. Okay, you're the third place person. How do I know which is the third place? This is bilingual, this is French, and this is English. It's right on the envelope. There we go. In third place, en troisième place, Avril Brigden, Alpha Secondary School, Burnaby, BC. In second place, Jenny Wang, Collège de Brebeuf, Montreal, Quebec. Alors donc, j'imagine qu'on connaît le résultat. La lauréate, Gada Charkey. Already. Alors, bravo à toutes les trois, c'est fort bien mérité. Et maintenant, je demanderai à nos trois finalistes de la section française de s'avancer. It's like at the Academy Awards, you don't want to get it wrong, right? No, we don't. Remember that last time, that was terrible. En troisième place, Larissa Duchimé, St. Joseph's Catholic High School, Windsor, Ontario.
En deuxième place, Laure Poitras, Cégep du Vieux-Montréal. Donc maintenant, le secret des dieux, en première place, la lauréate, Naïda Mohamadou, lycée Louis Pasteur. I'm just going to assume that's your family right there. I'm wild guess. Finally, I'd like our three English Prize Stream finalists to come forward. Oh my God. In third place, Nina Thatch, Kildonan East Collegiate, Winnipeg, Manitoba. In second place, Matthew Joe, London Central Secondary School, London, Ontario. And that leaves first place to Katricia Hebert. Wow. I'm so emotional. The only thing poetry got me growing up was beat up, so this is very cool. It's just wonderful. Let's have another round of applause for these students and their teachers who are keeping... These are the people that are keeping poetry in the air from coast to coast to coast. Please step forward. Alors, pour clore cette soirée inoubliable, j'invite maintenant les fondateurs de Poetry and Voice, les voix de la poésie, Scott et Christine Griffin, à nous rejoindre sur scène. Hello, everyone, and what a night this has been. Just fantastic, and congratulations, of course, to all the students. A huge thank you to the judges who have done a fantastic job, and to our hosts over the 2 days, Joanne Blais and Rose Anna, dear child, where are you? Right behind you. Okay. And Roger Leveillé. And they have done, as I say, a fantastic job. And a great thank you to all the teachers and the volunteers that have been both here in Winnipeg and across the country who have
worked tirelessly to bring poetry to all the students. And the poets. All the poets that have been connected to poetry and voice and Les Voix de la Poésie, over 90 of them, have gone into classrooms and done workshops and have instilled a real love of poetry for so many students. And finally, and most importantly, of course, all of you students who have provided for us 2 days of fantastic recitations. Now, the students you see on the stage here are only the tip of the iceberg, because since we have started this program in 2011, we estimate that over 14 million poems have been memorized by students. That means that there are thousands of students out there that have been exposed to the beauty of language through poetry. And in addition, they have gained a sense of self-confidence to know that they can get up on stage and recite poetry in front of judges and an audience and with just a microphone and no notes, something that would normally put the fear of God in any adult. So I say to you, students, you have a responsibility. Of course, all these students represent a future readership of poetry, which is so important, because that readership has weakened tremendously over the years, and fewer people have been buying poetry books, fewer people have been reading poetry, and certainly few people have been reciting it. So you have a great responsibility, you students, to make sure that you carry this momentum into the future. And I, for one, am confident that you will meet that responsibility based on the enthusiasm I've seen over the last 2 years. So I say unto you, how great is that? For you are the future of poetry in Canada. Vous êtes les ambassadeurs de la poésie. Je crois que je vais tout simplement terminer au remerciement de mon mari, que vous avez sûrement compris que ça prend une vraie équipe pour monter ce genre de spectacle, cette organisation à travers ce pays qui est quand même très grand. Je voudrais mentionner ici notre équipe de la maison, notre directeur David, et avec l'aide de Sepide Anvar, de Tessa Griffin, de nos premiers poètes anthologistes qui ont créé l'anthologie, Pierre Neveu et Damien Rogers, et nos public relations girls, Catherine et Rachel, et nos jeunes hôtesses, Anvar et Maya. Vous ne les avez pas vues beaucoup, mais elles nous ont couru dans tous les sens pour amener les poètes, les réciteurs, les juges. Et donc, on vous remercie cette soirée quand même extraordinaire. Bonne nuit. And that wraps up our night. Thank you so much for joining us for the 2019 Poetry in Voice Finals.
Et un dernier mot pour moi, évidemment, merci tout le monde. Et puis, je voudrais terminer sur un cliché. On sait que la poésie, avant d'être écrite, elle a été dite. Elle a été dite depuis l'origine des temps. Et lorsque nous entendons quelqu'un dire la poésie, c'est un peu comme le Big Bang de notre humanité que nous entendons. Alors, merci tous d'être ici ce soir. Et je vous convie l'année prochaine à Montréal.